Le thème de la fête de l'indépendance du Sénégal de cette année 2019 est le suivant. Les forces de défense et de sécurité dans l'éducation à la citoyenneté et à l'unité nationale. À travers ce thème, l'armée nationale, au-delà du concept armée-nation, prend rendez-vous avec la jeunesse du pays pour relever les défis futurs. Aujourd'hui, plus que jamais, l'armée démontre sa présence de tous les jours aux côtés des populations, surtout dans la partie sud du pays, en proie à une crise vieille de plus de 36 années. Dans cette partie du Sénégal, la célébration de la fête de l'indépendance se prépare activement. Une répétition générale s'est tenue ce mardi sur le boulevard des 54 mètres de la capitale du Sud, sous la supervision du colonel Khar Diouf, commandant la zone militaire numéro 5, et devant le gouverneur de région Guégui Diouf. Je voudrais donc encourager les défilants à continuer la préparation, à parachever leur préparation et de corriger certains gestes pour assurer le moment venu un défilé, comme je l'ai dit, impeccable. Encourager également les forces de défense et de sécurité à continuer la bonne préparation que nous avons notée jusqu'ici et à continuer à coordonner toutes les activités liées au défilé. Dans les différents arrondissements, la cession de notre pays à la souveraineté nationale sera célébrée à travers un défilé. À Singian, dans le département de Bignona, le sous-préfet Moussa Ba a annoncé la couleur ce dimanche. C'était à l'occasion de la cérémonie officielle lançant les journées culturelles et économiques de Kanyarou. Nous profitons également de cette tribune pour vous inviter solennellement, comme vous l'avez toujours fait, à venir à Singian, honoré de votre présence, nous présenter ces belles prestations à l'occasion de la célébration de la 59e édition de la fête de l'indépendance du Sénégal. La Fédération des associations de Kanyarou a toujours ravi la vedette, si je puis m'exprimer ainsi, par rapport à la richesse de son répertoire sur le plan culturel. Nous serons heureux de vous accueillir le 4 avril également au niveau de la place du défilé à Singian. Après la célébration du 59e anniversaire de notre indépendance, les armées comptent mettre un vaste programme d'accompagnement des collectivités dans l'éducation à la citoyenneté et à l'unité nationale. Amadi Khalilou Yemi Jigenchor pour la radio-télévision Wal Fadjiri.